Bonjour. Hey, c'est Zosu, ses amis, c'est moi, c'est quand avec vous, c'est nickel. Comme on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager, et peut-être même la fin, qui sait, de notre carrière manager F23 avec Sunderland toujours sur Nintendo Switch. On est à la 30e journée de Premier League, on est au mois de mars 2024. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, potentiellement 10 matchs encore à faire. Ouais, je pense qu'il nous restera une vidéo. Je pense qu'aujourd'hui on va faire le mois d'avril, sera pas mal. Surtout, quoique après il y a pas mal de petites confrontations. La Newcastle, Sheffield qu'on sautera, Fulham, Crystal Palace, Everton. Donc au final, 1, 2, 3, 4, allez, 5 têtes. En vrai, c'est faisable. En vrai, c'est faisable. Bon, on va voir comment on fait, comment on avance là déjà aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura un ultime live la semaine prochaine, je sais pas. Peut-être la fin, voilà. C'est ce que j'ai mis dans le titre. Peut-être la fin. On verra bien. Bon, allez, du coup, on va commencer par un petit match face à Liverpool pour commencer ce mois de mars. Qu'on va jouer, bien évidemment, parce que c'est Liverpool en face. On va faire juste donc rapport disponible sur les jeunes joueurs. Ça, c'est pas intéressant. Pas intéressant. Intéressant. Pas intéressant. Et pas intéressant. Ok, rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Ok, tous les deux là sont inéligibles. Lui, il est plus intéressant. Et on va décontenancer Jurgen Klopp. Et puis on va avancer tranquillement. On va aller faire un petit entraînement. Et ensuite on ira jouer le match face à Liverpool. Voilà. Je viens de me rendre compte que le son de ma télé était un peu fort. Alors attendez, je le baisse. Voilà. Et cette fois-ci, c'est parti du coup. On va en direction. Frère, t'es vieux, frère. Tu commences pas à me saouler. 2000 balles. Tu veux 2250? Eh ben allez, 2250. Voilà, sur un an. Et jeu de rotation de l'effectif, si t'aimes pas ça. Et ben tu te barres. De toute façon, moi, c'est ma dernière saison, donc. Voilà. Allez, du coup, face à Liverpool, on va jouer le match, on sera à Anfield. Ça va pas être facile, pas facile du tout. Moi, je joue en bleu. J'ai la grosse équipe, très bien. Sirkin. Oui, Sirkin, non, attendez. Oui, non, j'ai bugué. Oui, si, bien Sirkin. Et ouais, toujours cette équipe plutôt cool. C'est parti, du coup, pour le premier match de la journée. Comme d'habitude, cet exercice. Wow! Ah non. Ok. Ouf, c'est dedans ça? Ok, on est pas mal pour l'instant. Là, c'était moins bien. Pourquoi est-ce que là ça décolle? Je comprends rien du tout. Pourquoi est-ce que là ça décolle pas? Rance, c'est très bien. Bon. C'est parti du coup à Anfield pour ce Liverpool Sunderland, 31e journée de Premier League. Alors qu'on rappelle qu'on peut gagner le titre parce que Manchester City a choqué lors du précédent live. Ils se retrouvent désormais 3e alors qu'ils ont. Alors qu'ils étaient en bataille avec nous pendant un long moment. Maintenant c'est Chelsea qui se retrouve 2e comme vous avez pu le voir. Donc ça va vraiment être chaud sur cette fin de saison. Il va falloir laisser passer le moins d'occasions.
C'est passé le moment. Perdre le moins de points possible. Ou du moins marquer le plus de points. Ouh, Goretzka Liverpool, pourquoi pas. Alors que là, on voit Patrick Roberts. Ouf, c'est qui ce goal? Jaros. Il n'y a plus à dire ça. Pourquoi pas, soit. Oh, Frankie de Jong, ils ont refait leur milieu de terrain, nos amis de Liverpool. Par contre, ils font jouer Roberto Firmino, ils font pas jouer Darwin Núñez. Plutôt étonnant. Firmino qui est en perte de vitesse, le Brésilien. Après une saison 2018-2019 complètement folle de sa part. Au même titre que Liverpool d'ailleurs cette année-là. C'est l'année où il gagne la Ligue des Champions. Ça a été une année complètement folle. Et l'année où il gagne le titre aussi. Avec Salah, Mané et Firmino au top de leur forme. C'était vraiment la meilleure attaque d'Europe. Peut-être même du monde. Hey, Jewison. Avec Jack Diamond. Ah, il se l'a fait chourer par Fabinho. C'est là qu'on voit la formation monégasque avec Fabinho. Oh oui, vers Sekou. Oh non, Sekou qui cadre pas. Sekou Mara. Fils de, je le rappelle, l'actuelle compagne de Thierry Ardisson. C'était quoi ça? J'ai jamais demandé ça. Ouais, non, faut peut-être pas plaisanter. Robertson. Allez, Diamond. Oh, purée. Oula, complètement loupé là. Bennett. Avec ses Kumara. Clark avec Roberts. Mara, waouh, dommage. Hop 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 hop. Ouf, c'est bon. Non, c'est pas bon. Jewison qui est descendu bas en défense. Ce qui est plutôt cool. Allez, Sirkin sur son aile. J'ai pas trop joué encore sur l'autre aile, j'aurais dû. Ouf, Neil. Embleton. Et petite faute. Malheureusement. Allez, ça dégage. Il y avait Alexander Arnold, j'ai pas fait gaffe. Oui, il y a 66, c'est lui en bas. Parce que bon, vu pareil, la saison de Kaka qui fait la défense de Liverpool, c'est Kaka, hein, entre Van Dijk qui est... Ouh, le mauvais contrôle, allez, c'est coup. Et Alexander Arnold, justement. Je peux en témoigner, je l'avais en Ligue anglaise sur MPG. Diamond. Oh, ok, j'ai cru qu'il fallait me faire une passe. Jack Diamond s'est contré. Ça va finir en corner normalement. Exactement. Allez, le bon centre. Diamond sur le retour. Ouf, c'était un peu trop parade de terre pour pouvoir faire peur vraiment au gardien et à la défense. Roberts. Avec Embleton. Ah, oh, j'hésite. Là. Wow, il s'est fait complètement avoir. Pourquoi pas la tenter de loin avec ce gardien que je connais pas. Ça se trouve, il est pas bon. Donc il y a peut-être moyen de lui mettre des buts de loin assez facilement. Ah purée. Diamond! Non, l'arrêt de Jaros. Je suppose que. Ah non, il y a un accent, ça doit pas se prononcer comme ça. Il doit être hongrois ou quelque chose comme ça. Ou alors je me trompe complètement. Moi, je crois pas que je puisse voir sa nationalité, malheureusement.
Diamond. Ou si en regardant sur le menu de transfert, si je pourrais voir sa nationalité. Et bah, mi-temps 0-0. Mouais. J'ai pas été vraiment concentré sur le match aussi, faut le dire. Faut bien avouer ça. Et là, on revoit le tir de Sekou. J'en aurais pas cadré beaucoup, hein, des tirs. Un. Et là, il y a la faute de Nil. Allez, deux. Trois. Trois. Trois tirs cadrés, je pense. Manchester City gagne 1-0. Chelsea fait 0-0. Ok. Pour l'instant, ça va. Oh, j'en ai cadré 4, d'accord. 6 tirs, 4 cadrés. Très bien. Et bah deuxième mi-temps. C'est parti. Pour cette deuxième mi-temps, essayez de marquer un but. Oh non, il n'y a pas faute là, jamais de la vie. Nil. Avec Embleton. Là-bas, avec Roberts. Oh là là, la passe molle. Où il y a hors jeu là? Il n'y a pas hors-jeu là? Non, c'est bon, la frappe est pas cadrée de Firmino, quoi qu'il arrive. Tant mieux. Allez. Bollard. Et Clark. Bollard. C'était du jeu. Clark, allez, lancer Roberts. Voilà sur l'aile. Sekou suit. Va au centre. Sekou! Oh l'arrêt! Ouh, il a failli la perdre! Ouh là là là! Il a failli y avoir du petit bout entre le gardien et sa défense. Et touche pour nous. Goretzka sort pour laisser sa place à Thiago Alcantara. Ok, nouvelle touche pour nous, je pense. Firmino aussi va sortir. Laisser sa place à Darwin Núñez, justement, tiens. Sekou. Ah oui, Sekou Mara. 60e, 59e minute de jeu. Et ça fait 1-0 face à Liverpool à Anfield. Que demander de plus? Que demander de plus, mesdames et messieurs? Nil. Ah, purée, non. Oh, oui, bien joué ça! C'est Diamond. Non, je la voulais vers Diamond, justement. Pas grave. Ah, Jouisson. Embleton. Bollard. Avec Mara. Bollard. Clark avec Roberts et ça fait finir en touche. Changement, sortie de Frenkie de Jong, rentrée de Jordan Henderson. Oh purée, oh là là, mais faut la voir là. Ah bah bien ça. Ah! Voilà, Sirkin, bien joué. Allez. Oh, purée. Yeah. Je commence à avoir des joueurs un peu crevés. Et là, ça fait très très bien tourner le ballon du côté de Liverpool. Allez, on temporise un petit peu. Je la voulais pas là encore une fois. C'est pas grave. Non plus. Nil.
Ça finit en touche. Oh non, Donnal à la touche. Je veux la goal line sur la touche. Pas faute, voilà. Quoi? Comment ça? Allez. Oui. Oh, il reste 10 minutes. Non, faut pas se le prendre maintenant. Faut pas se le prendre maintenant, surtout pas. Là, ça joue bien, là, ça joue bien. Bon, ça fait but, ça. Ouh, non, ça décolle complètement, Mossala. Et heureusement. Onien. Avec Sirkin. Bennett. Diamond. Il est... Nah. Il est pas parti. Bon, tant pis, les joueurs tiendront. Je n'aurai pas de changement vu peu de temps qui reste. J'aurais dû en préparer avant si je voulais vraiment faire des changements. En plus, c'est pas un gros match face à Newcastle. Pas si haut que ça dans le classement de mémoire Newcastle. Bon, j'ai une très mauvaise mémoire. Neil. Mais c'est qui court bien le petit Neil. Ok, bon, la frappe qui est juste à côté. Et... ça dégage et l'arbitre qui va pouvoir siffler là peut-être un jour. Non, voilà, merci, la victoire 1-0 à Anfield, parfait de chez parfait. Pas demandé mieux, je pouvais pas demander mieux pour vraiment bien nous aider dans notre route vers le titre de Premier League. C'est connoté. Ok. Alors, 9 tirs, 6 cadrés. Ouais, 52-48. Ils ont fait 2 tirs quand même. Très bien. 66% précision de tir. 85% précision de passage. J'aime beaucoup cette stat. Je vais voir un peu notre des joueurs. 7-9 pour Robert, somme du match, ses coups à 7-9. Ouais, les notes qui sont moyennes. Là, c'est pas très haut par contre, hein, du côté de... Oula, Diaz à 4-6. C'est pas beau. Ok. Chelsea a gagné 1-0, Manchester City a gagné 3-0, très bien. 2 points d'avance sur Chelsea, 3 sur Manchester City, ça me va. Alors faites voir du coup Everton qui sont plutôt haut par contre, hein, ça c'est étonnant. Newcastle sont 8, West Ham est 10. Ok, allez, on avance un petit peu. Du coup, prochain match face à Newcastle, justement on va tenter de le simuler. Proposition de contrat acceptée pour Paris Sado, on va louer l'équipe. Faire un petit entraînement. Et ensuite, on va aller simuler le match. Voilà, mais que des 1 en ce moment. C'est vraiment plaisant. C'est Cook qui est passé 73. Je crois qu'il était 72. Il me semble. On va enchaîner deux gros matchs là. West Ham. Enfin, deux gros matchs. Deux matchs quand même importants. Allez, c'est parti. Alan Saint-Maximin et Bruno Guimaraes en fait. Et Sven Botman et Kevin Trippier. Et Pope, j'avais oublié cette équipe de fous furieux en fait en face. Ouais, ben voilà, Guimaraes. Ah, merci Patrick. J'ai peur de quitter l'écran des yeux et qu'il se passe quelque chose, qui a un but quoi. Un partout, je dis pas non. Allez, un partout, ça me va face à Newcastle. Je prends. Chelsea. Ah oui, c'est très serré. Hein. Manchester City a gagné. Du coup, ils reviennent à un point, malheureusement. La conf de presse.
On motive les troupes, en plus on est à domicile. Et là, il va falloir enchaîner, ça va être dur par contre au niveau des blessures. Hein. On va pas faire d'entraînement. Et la forme, ça tiendra bien. Ouais, ça tiendra. Après, on a le gros match face à City. Yeah. J'ai sauvegardé. Oui. Allez. Quelque chose de bien face à West Ham. Paqueta. Il y a Paqueta. Il y a Paqueta. Pablo Fornal, Koufal. Ouh, la blessure déjà. Il y a Reola, oui. Bowen. Manchester City mène 1-0. En plus, il joue face à Sheffield. J'ai de la chance. Où ça va faire du 1-0 ça? Prévisible. Je l'ai prévu quand même là. 45ème minute de jeu à peu près. Allez. J'aurais pas y passé la semaine sur cette simulation, encore une fois. Ouh, Paqueta qui loupe un penalty, c'est bon, là, ça dans la tête des joueurs, c'est bon. J'avais oublié cette attaque de fou furieux à City, là, Mbappé. Oui, c'est cool. 3-0, triplé de Mbappé à peu près. Chelsea mène 4-0, Manchester City, bah oui, pourquoi pas. Ouh, Lanzini. Ouais. Non! Ouah, et Manchester City qui gagne 6-0, n'importe quoi. Puis ils vont être, du coup, ils vont repasser devant, n'est-ce pas? Eh oui, pour un point. On les rejoue, je crois bien. C'est la dernière journée? Ouais, on les rejoue en dernière journée. Allez, je suis joueur. On aura donc la conf de presse. Frère, tu viens de signer un contrat joueur de rotation dans l'effectif. T'es débile ou t'es débile? Josep Guardiola y sala. On va le décontenancer. Et c'est parti. On va encore une fois pas faire d'entraînement. Face à Man City, sur terre neutre, à Wembley si je ne m'abuse. Demi-finale de FA Cup. À Wembley, tout à fait, j'ai mon souvenir. Bonne mémoire. Pourquoi est-ce que c'est un ballon d'Europa League pour la Cup? Je veux pas savoir. Ok, et eh ben allez, c'est parti. Direction Wembley pour cette demi-finale de FA Cup face à Manchester City. Si on pouvait prendre l'ascendant psychologique face à eux pour le championnat, l'ultime journée de championnat qu'on aura face à eux, justement, qu'on les batte une nouvelle fois parce qu'on les a déjà battus cette saison, ce sera une très très bonne chose. Ouh, rang B. Ok. Allez, c'est parti à Wembley. Très très grand stade, bien sûr. Pas mal de fans de Sunderland. Je pense que là, il y a toute la ville de Sunderland même qui a fait le déplacement. Face à tout Manchester qui a fait le déplacement. C'est bizarre parce que je pensais que le club historique à Manchester, c'était quand même United. Mais... Et voilà les joueurs qui pénètrent sur cette pelouse mythique de Wembley où là il y a des joueurs. Ederson au goal, ça va être très 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 dur à battre. Alors qu'on voit les policiers britanniques, tiens.
De Bruyne, Ederson, Phillips, Bernardo Silva. J'arrive pas à voir. Là, on doit avoir Mbappé. Là, ça doit être Phil Foden. J'aimerais bien avoir la compo d'équipe pour voir justement si possible ou est-ce que j'ai pas le droit. Ruben Dias. Ah voilà, merci. Alors, Cavore, Stones, Ruben Dias, Raúl Cancelo, Kevin Phillips, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Mbappé, Palmer, Foden. Ouh, ils ont ni Haaland ni Vinicius. Allez, c'est parti, demi-finale de FA Cup. Et ça commence pas bien. Mais demi-finale de FA Cup quand même à Wembley face à Manchester City. Nos grands rivaux pour le championnat. Et aussi, bah là du coup pour cette cup, hein, on les bat, je pense qu'après, je sais pas qui c'est qu'on pourra contre qui on va pouvoir tomber en finale, mais si on les bat, je pense qu'on est capable de tout ensuite, de battre n'importe qui en finale. Oh, c'est cool déjà, c'était pas mal là, dommage. C'était vraiment bien construit comme action, j'ai beaucoup aimé. Dommage, Ederson est trop bon. Oh oui, Clark. Ouf, l'arrêt du bout des doigts d'Ederson. On met déjà énormément de pression sur la défense Citizen. Et je dis pas non. Allez, bien tirer ce corner. Mal tirer ce corner. Ouh, et Mbappé là qui la vole. C'est pas bon. J'ai plus de défense. Ouf, heureusement qui temporise parce que là, ça finissait en très très grosse occasion sur contre-attaque. Allez, on se concentre. Pas comme ça les passes. N'ayez pas la pression les gars, s'il vous plaît. Allez, voilà. Jewison. Non, je la voulais pas comme ça. Les joueurs qui sont fatigués là, ils enchaînent 3 matchs en une semaine. Enfin, ils ont enchaîné 3 matchs en une semaine, donc c'est plutôt difficile. On dirait le rythme de Monaco certaines semaines en basket entre l'Euroleague et le championnat de France. Parfois même la Coupe de France ou la Leaders Cup, je sais plus. Ouh oui, Diamond. Vas-y mon petit Jack. Ah. Jewison, oui. Ouh, dommage. Et ça finit en touche. Alors que là, on revoit cette frappe. Alors après, ce qui est pratique, c'est qu'on aura une semaine. Et en plus, on va enchaîner face à Sheffield, qui, je l'espère, sera un match plutôt simple. Allez. Oh oui, non. Oh oui. Jewison. Bennett. Oh, le gros cafouillage qu'il y a eu dans la surface. Et ça fait 1-0. Ah oui, 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 oui. Allez. Ouais, Roberts tout de suite. Non, je la voulais pas. De toute façon, il est hors-jeu, c'est Kumara. C'est pas grave. Sauf qu'il s'amène à un but. Bah ben merci, mes ententes entre De Bruyne et le jeune joueur qu'ils ont au poste de défenseur droit, si je ne m'abuse. C'est cool, allez le bon centre. Ouh. Oh ouais, oui, il touche le ballon. C'est cool qui essaye vraiment de provoquer la faute là, plus qu'autre chose. Bien joué, Neil. Faire un échangement, je pense, dès la mi-temps, malheureusement. Après, si ça peut être pour faire rentrer des joueurs très très bons comme notre ami Alex Pritchard. Jack Diamond 2-0. Oh oui, 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 oui. On est un petit peu plus de la demi-heure de jeu. Et là, je dis oui, mesdames et messieurs.
Ah, purée. Clark. Humbleton, est-ce que je dois la jouer vers ses coups? Je la joue vers ses coups. Je sais pas si j'aurais bien dû. Ah, dommage, là, c'est le centre était difficile. On peut pas lui en vouloir. Bennett. Jack Day. Oui, non, oui. Non, 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 oui. Neil. Diamond. Oh oui, pour le doublé. Non, l'arrêt d'Ederson quand même. Sur ce coup de pied. Ouh, Ederson. Oh oui, Elliot. Hambleton. Manchester City complètement en travers, qui passe complètement au travers de sa première mi-temps. Et ça fait déjà 3-0. Et ça sent bon la finale de coupe. Mais ne parlons pas trop vite en besogne. Et bah, mi-temps. Mi-temps. 3-0. Ça va rester en bas? Non, j'ai cru. Alors, ça sera soit Chelsea, soit Manchester United quand même en face. Mais bon, si on bat cette folle équipe de Manchester City. Poste de défenseur gauche, hein, je sais pas pourquoi j'ai dit. Non, non, défenseur droit, si, juste c'était bien ça. On va faire sortir notre ami Robert. Et on va faire rentrer Alex Pritchard. Voilà. Et c'est parti, deuxième mi-temps à Wembley. Pritchard. Et ça va déjà donner une touche pour nous, normalement, exactement. Ah! Cabouret, le jeune défenseur qu'ils ont sur l'aile gauche-droite, ça dépend de quel point de vue. Aile droite de leur point de vue. Aile gauche de notre point de vue. Oh là là, encore une fois, l'erreur! Oh, le poteau d'Alex Pritchard, dommage! Diamond! Ouh, ça passe juste au-dessus. Oui, c'était Jack Diamond, oui. 5-0 quand même pour Ederson, mais Patterson qui n'a pas été menacé une seule fois d'un tir. Pritchard. Oh oui, la récupération très haute, ses coups. Ses coups pour le doublé. Neil, eh oui! Dan Neil, 4 à 0! Et là, on va prendre l'ascendant psychologique sur Pep pour le championnat, je l'espère. Ça va être une défaite qui va faire mal dans les mémoires. Quand même dingue que face à des petites équipes, parfois je galère et là je gagne 4-0 contre City quoi. Rentrée de Gundogan à la place de Phillips. Alors après, ils ont pas fait jouer leur plus grosse équipe, mais quand même, il y a Mbappé et Ederson. Vas-y, Patterson, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, désolé. Bon. Mon défenseur. Ouais, trop chaud. On va faire sortir Bollard. On va faire rentrer Baf. Eh oui! Hambleton. Pritchard. Ah non! Petite faute. D'Emmanuel Akanji à la place de Ruben Dias, donc de Bast à la place de Bollard. Oui. Ah non, il y a une petite photo. Ouais, c'est bien ce qui me semblait quand même. Je trouve ça bizarre. Alors qu'on approche de la 70e minute de jeu. Attention. Au centre. Ouais.
Phil Foden, 70e minute de jeu, 4-1. Quand même. Il est à peine 17h35 et on aura déjà fait un mois. Bon, en vrai, il sera quoi, 40, allez. On aura fait un mois. Enfin, on sera plus qu'un match. Allez, 45, on aura fait un mois. Donc, en vrai, il y a moyen que ce soit le dernier live aujourd'hui. Si on garde ce même rythme. Surtout qu'il n'y a pas plus de gros matchs. Il y aura la finale de Cup à jouer. Et ce match face à City. Éventuellement, le match face à Everton, je pense qu'on jouera. Pritchard. Neil. Ah! Oh purée. Bon, on aura déjà. Si on gagne déjà un titre cette saison, on va pas s'en plaindre. Hein. Que ce soit la Cup. Si, même si c'est la Cup, moi ça me va. On aura gagné un titre. Ça aura pas été la PL. Oh oui, baf! Ouf, Ederson. Et ça finit en corner, pardon. Le soleil qui se monte chez moi, c'est plutôt agréable. Rentrée d'Ake. Nathan Ake. C'est Cook qui est complètement crevé. Re. Très mal tiré. Jack. Ouf, c'est arrêté par De Bruyne. Attention. Surtout que j'ai des joueurs. Ouais, c'est bon. Diamond. Bennett qui est mort. Il va falloir que je le fasse sortir, je pense. Je vais le faire sortir. On va faire rentrer Jesus Soler. Non. On va faire sortir plutôt. Clark pour faire rentrer Paris Sado. Ouais, je suis même pas sûr qu'il aura le temps de rentrer pour le coup. Et si ça pouvait éviter les blessures éventuelles, je dis pas non. Mbappé, allez, tranquille. On dégage. Plus loin possible. 3 minutes en additionnel, ils n'auront pas le temps de rentrer les autres. Ouais, elle est grosse la faute là. Ok, carton jaune, ça va pour Jack Diamond. J'ai eu peur. Alors espérons que ce soit pas un deuxième consécutif. Parce que si c'est un rouge, ça peut faire mal après pour la finale. Blessure de Caboret. Bennett. Et la victoire 4-1. On est en finale de FA Cup. C'est parfait. C'est magique. C'est magnifique. C'est tout ce que vous voulez. Et on va peut-être pouvoir aller chercher un titre d'ici quelques jours. Et je ne dis bien sûr pas non. Tirs à 9. Ils ont eu la possession quand même. 68% de précision, mais pas, c'est moins bon que... que lors du match face à Liverpool. Ok. Et bah allez. Hein. J'ai pas regardé les notes, mince. Et on jouera face à Man United en finale de FA Cup. Ils ont gagné 1-0 face à Chelsea. Nickel.
Et du coup, le match Everton a été Sunderland a été reprogrammé. Et 1 125 000. Ah, mais t'es américain, Lyndon Gooch, très bien. Je ne savais pas. Alors, du coup. Du coup, le match est retardé. Ok. Il nous reste. On a joué 2 matchs. Il nous reste encore. 1, 2, 3, 4, 5 matchs. On va en jouer encore 3, histoire que ça fasse 5. Donc on va jouer face à Man United, face à Everton. Je tenterai juste vite fait une simulation face à Everton. Si je vois que ça passe, bah écoute, on jouera pas. Si je vois que ça passe pas, on jouera le match. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'on soit à égalité avec Manchester City en fin de saison, parce que quoi qu'il arrive, ils gagneront, je pense, à ce niveau-là. Comment ça, Manchester United ils ont 22 victoires, comme vous pouvez le voir. Là où nous, on n'a que 20. Bon, allez, on va avancer direction le match, du coup, face à Sheffield, qui, je l'espère, sera facile. Comme d'hab, on motive les troupes. Là, en plus, on est sur une streak de matchs à domicile. Pas de blessure, tant mieux. On va pas faire d'entraînement. On en fera un la semaine prochaine. Allez, on simule le match face à Sheffield. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Je dis bien normalement. Et je dis bien de dire normalement. Ah, Clark sur penalty. Enfin, qu'on m'explique pourquoi c'est lui qui tire les pénalty, mais. Soit. Bon, par contre, je peux pas me contenter d'un match nul face à Sheffield. Voilà, c'est coup. Let's go, 2-1 face à Sheffield, c'est parfait. On se retrouve toujours à un point de City. Ah, c'est chaud. On va avancer un peu, la conf de presse. Match face à Fulham. Alors, on a également le rapport. C'est pas bon, ça. C'est pas bon pour la défense. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Mais il est plus en. Non, il est plus en voyage, notre ami jeune. Ah oui, il est plus en voyage. Mettre en place un réseau de recrutement. On va aller voir du côté du Brésil. On va mettre doué techniquement. Ok, mise en place du réseau de recrutement. Très bien. Petit entraînement. Ok. On avance du coup direction le match à Fulham. J'ai pas fait la conf de presse et j'ai perdu le mail. Si, j'ai dû la faire là. Si, je l'ai faite la conf de presse. C'est bizarre parce qu'il me l'affiche toujours. Je sais pas. Allez, face à Fulham. Il nous faut encore une. Mince. C'est vrai, faut sortir Bollard malheureusement. Déchirure du quadriceps. On va être obligé de faire jeu basse. Je pense. Ouais. Et. On va faire en remonter Evans. Il pourra jouer défenseur central. Je vais re-save là parce qu'après, sinon, ça va me le redemander à chaque fois. Et ça va être chiant. Allez, face à Fulham, ça devrait pas être trop compliqué non plus.
faut qu'on surveille aussi Manchester United, parce que je dis Manchester City, mais il y a aussi Manchester United qu'il faut pas oublier. Ouh, ils ont Mbabou. Oh non. Ah oui, Mbabou. Oh non, faut en profiter, ils sont à 10. Manchester United gagne 1-0. Sérieux, ils sont à 9. C'est une blague. C'est une blague. Ça se fout de moi. Ils sont à 9 contre 11. On perd 2-1. Sérieux, c'est pire que Saint-Etienne à ce niveau-là. Par contre, c'est vraiment très serré. Parce que là, vous avez vu, on perd, on passe 4e. Oh, sérieux! Ouais, sachant que quoi qu'il arrive. Alors, Manchester United a perdu son match. Alors, Chelsea a dû le gagner, du coup, je suppose. Et Man City le gagne. Il joue contre qui, Man United? Ils jouent face à Arsenal. Ok, donc c'est vraiment pas un match facile, je comprends. Par contre, Chelsea joue face à Brighton et puis Manchester City, c'est comme le PSG en Ligue 1. Ils sont hors compétition. Allez là, quand même. C'est fou l'âme les gars en face. C'est une équipe de Londres quoi, c'est-à-dire qu'hormis Arsenal, il n'y a pas une équipe de Londres et Chelsea éventuellement qui a le droit d'être doué au football. Sérieux? Pourquoi est-ce que Bollard faut qu'il se blesse là? C'est là, on a un gros trou dans notre défense, sérieux. La défense centrale ne sert à rien. Mais alors, rien du tout. Eh ben voilà, 2-1. Et donc on se retrouve deuxième, Man City a fait match nul, je crois. Oh. On se retrouve juste derrière Manchester United. Mais ça c'est pas cool du coup pour le championnat, parce que du coup là il n'y a plus de confrontation directe. Alors ils ont dû gagner Man United et City a fait match nul. Oh là 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 là. City qui choque sa fin de saison, vraiment. Allez, on enchaîne avec Crystal Palace. Et les gars, vous avez pas le temps du tout. Oh, c'est Patrick Vieira l'entraîneur, j'avais oublié. Pas le temps de vous reposer, les gars. Pas d'entraînement. Tu veux qu'on cause de ton salaire? J'arrive. $2,250. Joueur de rotation de l'effectif, par contre, tu veux qu'un an. Allez, face à Crystal Palace. Contre qui joue Man United? J'ai pas fait gaffe. Il joue face à City. Ouh, il y a peut-être un coup à jouer là dans le face au dernier mancunien. Il y a quand même le Wilfried Zaha en face, hein, et Doucouré. Mais, ouh, les gars, on plaisante pas. Voilà, voilà, c'est ça ma vie, donc, actuellement. Hamilton qui se prend en rouge. Oui, c'est bien, c'est qu'on avait un avantage numérique, cramons-le. Allez, hop, défaite de 1. Bien sûr, c'est un grand nom. Et ensuite, on aura la finale de FA Cup à jouer face à Man United. Si... S'ils pouvaient faire match nul, les deux Manchester, ce serait, mais alors, incroyable le championnat. Ou si City pouvait gagner, en vrai.
Nous, par contre, faut qu'on gagne. Un partout, tout dépend de ce qu'ont fait les autres. Alors que Clark a marqué un but sur penalty à la première minute de jeu. Tout dépend. C'est un nom, tout simplement. C'est un nom catégorique. Ça aurait été Man United, ça aurait été Man City qui avait gagné. J'aurais dit oui, pas de soucis. Mais en fait, là, non. Allez! Oui, bien sûr. J'ai pas y passé la semaine, les gars, sérieux. C'est Crystal Palace, quoi, en face, je le rappelle. De 1, ils ont gagné 10 contre 11. La logique. Parce que honnêtement, même si t'as des joueurs qui sont nuls en face, ils jouent quand même dans le même niveau de football. C'est-à-dire les deux sont en première ligue à 10 contre 11. Enfin, j'ai envie de dire quand même. Surtout que là, c'était Doucouré, quoi. C'était pas un petit joueur. Donc. Normalement, ça aurait dû aider, quoi. Oui. Ouh, il y a Hudson-Edouard aussi. Est-ce qu'il y a Hudson-Edouard? Je sais pas. Allez! Un jour, peut-être. C'est Crystal Palace en face, merde. On s'ennuie sinon, vous trouvez pas? Sérieux, je m'abuserais plus à faire ça sur NHL ou Madden actuellement. 1-0, oui, très bien. Est-ce que l'année prochaine, on ferait pas plutôt une carrière NHL un petit NHL 18 là comme ça ou un petit Madden 23 en carrière hein. Non moi non plus j'ai pas envie. Mais j'ai pas plus envie de faire ça, vous voyez. Mais sérieux, c'est Crystal Palace en face. Bon allez, dernière tentative et puis après je passe. Hein. Mais merde quoi. Je reprends, c'est Crystal Palace en face. Limite, donnez-moi le match nul, mais à condition que les autres en face là ils fassent match nul ou victoire de Man City quoi. Mais pas ça. City avait gagné, tiens, en plus. J'ai passé 10 minutes sur cette simulation, c'est ça qui est bien. Puis en plus, bien évidemment, faut qu'elle soit vachement importante pour la fin de saison, quoi.
Ok. Puis je vais pas m'amuser à jouer le match, hein, on n'a pas le temps pour ça. Alors Max Thompson s'est blessé, mais ça à la limite je m'en fous. Tout dépend de ce que font les autres. Ben, ça me va très bien. Ça me va honnêtement très bien. Donc Mike Thompson est blessé 7 jours. On va décontenancer Man United et on va aller jouer cette finale de Cup, de FA Cup. Avec des joueurs crevés, ça va être bien. Et ensuite, en plus, ensuite, on enchaîne avec Everton quelques jours après. Ça va être top. Ok, ça va, les joueurs qui sont pas trop fatigués. Est-ce que je viens de voir Tchaletaka sur les news de Manchester? Ah non, il est à Southampton, ça me rassure. Ils vont me dire qu'il faut que je le sorte, n'est-ce pas? Exactement, et j'ai plus de BU. 7 jours. Il devrait revenir pour le match à Southampton City, c'est bien, le match où il servira plus à rien. On va faire monter Dajaku. Et puis, c'est parti, on joue le match face à Manchester United, cette finale de FA Cup. Est-ce qu'ils ont pas un meilleur maillot que le blanc? Parce que ils vont jouer en vert. Pas beau, mais ils vont jouer en vert. Au Stadium of Light, ça joue pas en terrain, ça joue pas à Wembley? Ah bon? Ah bon? Vraiment? Bon. Bah écoutez, c'est parti. Bon, je vais passer assez rapidement cet exercice parce qu'on l'a déjà fait. Allez, c'est parti du coup au Stadium of Light. Ok, je pensais que ça te jouait à Wembley, la finale de FA Cup. Bon, pour essayer de mettre la main sur ce trophée, si possible. Et frapper un grand coup sur mes adversaires pour le titre en première ligue, d'un point de vue psychologique. Allez, les joueurs qui pénètrent sur la pelouse. Alors, qui c'est qui est de beau? Bon, oui, on sait qu'il y a Bruno Fernandes, Luke Shaw. Casemiro, Varane. C'était bon ou c'était Philippe Coutinho? J'ai pas fait gaffe. On va voir les compos. Le problème, c'est que ça va être la mienne qui va paraître en premier. Qui est ce Jono là? Ah, c'est McTominay, non? De Gea est là. Des joueurs bizarres là, qui me disent rien du tout. Wan-Bissaka. Peut-être. Il y avait ni Rashford. Pas l'impression d'avoir vu Rashford en tout cas. Faites voir. Bon, ça c'est. Denis Sirkin avait pris un jaune. Très bien. Ça c'est mon équipe. Et l'équipe de New United. Ça donne quoi? Wan-Bissaka, Lisandro Martinez, Raphaël Varane, Shaw, McTominay, Casemiro. Ah, il y a Anthony, Elanga, oui, et Patrick Schick, tiens, en pointe. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ok. Allez, c'est parti pour cette finale de FA Cup au Stadium of Light. C'est Kumara qui était déjà un peu coincé avec cette balle. Non, ça commence pas bien. Jewison, mésentente entre Jewison Bennett et Jack Clark. C'est bien dommage.
Entre. Oui, si, Jewison. Non, Jewison et Dennis Sirkin, pardon, sur l'aile gauche. Oh, il est passé dans un trou de souris. Jack Diamond. Oui, l'ouverture du score très rapide. Jack Diamond. Nickel chrome. Perfecto. Ça fait 1-0. Moi, je suis pas sûr qu'on joue le match face à Everton pour le coup. Peur qu'après ça fasse un peu long. Mais il va falloir que. Là, il y a la simulation face à Crystal Palace. Alors, le problème, c'est que la simulation face à Everton, elle va être pas mal aussi. Hein. C'est cool. Ah non. Elanga. Diamond. Ah purée. Oh, ça sent pas bon là. Faut stopper tout de suite. Voilà. Jack Clark. Allez. Ah, dommage. Casimir, oui, l'interception de Jack Diamond. Ah, dommage. N'importe quoi cette passe. Joue mieux au lieu de regarder le retour Twitch. Genre qu'ils se sont fait un truc tout seul. Et faute de Danny Baff. Daniel Bollard manque grandement quand même, hein, à la défense centrale. Entre meilleur joueur. Oh, elle est énorme là, elle est énorme, monsieur l'arbitre. Jaune pour Varane. On va revoir ça. Waouh, il met une giga pousse dans le dos. Onion. Alors du coup, il m'a dit qu'il y a un jaune. Mais est-ce que si je me prends un jaune là, notre ami Sirkin sort? Ou est-ce que... Ouf, ça se fait bousculer. Bennett. Avec Diamond. Jack Diamond. Oh, le poteau. Dommage, le centre, et ça va donner corner, sortie de but, corner. Alors les corners sur FIFA, c'est une catastrophe. Oui, Jack. Ouh, on n'est pas passé loin du deuxième. Quatre encore une fois. Ah, il faut l'avoir. Ah non, fallait l'avoir. On se dégage loin, très loin. Patterson, pas d'erreur. Alors là, il aurait pu allumer Anthony. Il l'a pas fait. Tant mieux. L'IA sur FIFA, parfois. Ah. J'irai voir ce que c'est juste après. Ça se trouve, c'est mon conseiller financier. Ou alors, c'est une OPSP. Non, je rigole, je fais pas ça. Moi, je fais pas d'OPSP. Alors je dis pas que j'en ferai jamais, hein, mais c'est juste que là, 1, c'est pas dans mes projets, 2, j'ai pas envie, puis 3, je suis pas assez connu, donc les marques quand même, elles me proposeront pas. Puis alors, en plus, je suis un mec assez chiant au niveau des OPSP, parce que je suis le genre de mec qui vend, qui fait pas de la pub pour des trucs pourris, hein, n'est-ce pas, NordVPN. Diamond, dommage. 3 minutes, 4 minutes de temps additionnel, bon voilà, l'arbitre qui siffle. Non, ok, rien d'intéressant, c'est pas mon banquier. Et c'est pas une OPSP. Ah, le but très rapide, là, Jack Diamond, qui fait plaisir.
Et ensuite, là, on a été très oppressant. 5 tirs, 3 cadrés, pas de tir. Par contre, 68% précision des passes, comme d'hab, c'est... Eh ! Après, plus on fait de passes, forcément, plus... Plus il y a de chances qu'elle soit loupée. Donc forcément, ce pourcentage baisse. Ouh, rentrée de Jadon Sancho. Il n'était pas titulaire, Jadon Sancho, et oui. J'avais pas calculé ça. Ouh, il aurait pu l'avoir, là, dommage. Il y a une petite faute. Il se relève pas. Oui, si, quand même. Récupération d'Eliott. Humbleton. Ouh, cette passe a failli ne pas arriver à son destinataire. Celle-là aussi. Ah non, mince, je pensais qu'il allait me garder en mémoire la touche que j'avais pressée. Roberts. Avec Clark. Roberts, il va falloir faire des changements assez rapidement. Éviter les blessures, le plus important, c'est quand même la PL. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Un premier changement. On va faire sortir Patrick Roberts. Il va laisser sa place à Alex Pritchard. Tant pis, il est un peu crevé, mais bon, il est sur le banc, donc. Voilà. Embleton, la récupération. Bah. Avec Onyen. Sirkin. Ouf. Ok. Allez, encore une demi-heure à tenir. Essayer d'aller en marquer un autre. Pourquoi pas. Ouah, la claquage de Jouisson. Aïe, aïe, aïe. Élongation moulée. On va tout de suite le faire sortir. On va faire rentrer Dadjaku. À sa place. Oui, bien joué, Dan. Bah, il est reparti. Alors là, suffisait. Petite tape dans les fesses et c'est reparti pour Jouisson. Pas trop envie de tacler de peur de me prendre un rouge. Voilà, ça finit en touche. Attends, mais il revient à une faute d'il y a des années, là. Il se fout de qui ? Jaune pour Dan Neal. Le mec, il est revenu à une faute qui a genre 300 ans. Du moins, il a mis un carton pour une faute d'il y a 300 ans. Allez, double changement. Sortie de Patrick Roberts et de Jouisson Bennett. Rentrée de Dadjaku et d'Alex Pritchard. Ouh, la récupération très haute de Dadjaku, justement. Dommage. Wouah! Oui, là. Il s'est relevé très vite. Alors, faut suivre, par contre, derrière, là, faut agresser. One Bissaka, j'ai fait un peu du caca. J'espère juste un truc. Ouh! C'est vraiment pas me prendre un but parce qu'après, je pense que j'aurais vraiment du mal. Oh, ça fait but ça. Alors remettre un et ça voudra dire prolongation, ce qui est encore moins bon pour la forme des joueurs. Pour la. Et après du coup pour le championnat. Il est hors jeu. Il est hors jeu d'Adjaku, dommage. En tout cas il met la pression, ce qui est plutôt cool. Ouh, rentrée d'Harry Maguire à la place de Luke Shaw. Ils sont vraiment en train de le mettre sur une aile. Ou c'est qu'ils ont fait, ils sont genre passé une défense à genre 3. Wimbledon, il est crevé, on va éviter la blessure aussi. Donc on va la jouer vers Sekou, qui est pas plus en forme. Sekou, oh, c'est contré. Et là, ça commence à devenir difficile au niveau de la stamina des joueurs. Ouh, il a glissé. Il nous a fait une Steven Gerrard. Pff,
Ouh, c'était chaud. Ouh, c'était chaud. Pritchard. Je la voulais pas là, c'est pas vrai. Oh non. Oui. 3 minutes additionnelles. Allez, touche pour nous. Oh, je la voulais pas là. Oh là là. Eh oui ! Eh oui ! Ouf, c'était intense comme match. Mais on l'a. Cette FA Cup. Cette Coupe d'Angleterre. Ouh. Ouh la vache. Allez, on va regarder la remise du trophée quand même. Une deuxième mi-temps, beaucoup plus difficile quand même que la première. Voilà le trophée. Et me voilà moi. Ou le président de la Ligue Fédération anglaise, je sais pas. Et voilà, champion de FA Cup. Et bah c'est nickel. Alors, 6 tirs, 3 cadrés, on n'a pas fait, on a fait qu'un seul tir hein, en deuxième mi-temps. 66% précision de passe, c'est vraiment pas terrible. Mais eux, il s'est descendu à 69%, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Homme du match, Jack Diamond à 7-6. Très bien. Les notes très très basses hein, pour le coup. Ça n'a pas été un grand match de football. La victoire du coup, et on va enchaîner avec pas mal de matchs de première ligue. 2 250 000. Mais t'as signé ton contrat, t'as paraffé ton nouveau contrat. Regarde ton nouveau contrat, hein, c'est tout petit. Enfin bon, bref, ça va être très très chaud. Il est blessé. Il est pas blessé, ça va être très très chaud là au niveau de la stamina. Attendez, faut que je mette le calendrier pour qu'il m'affiche. Voilà. On motive les troupes. Ouf, allez. Notre saison peut. Alors, Jesus, voilà, vient d'accepter. Alors, Chelsea a fait match nul. Et Manchester City a gagné, je crois bien. Rezou sera accepté. Ça va être chaud au niveau endurance. Allez, face à Everton. Il y a qui en face? Calvert-Lewin, qui peut être un peu dangereux. Ouh, ils ont la fond. Éventuellement. C'est pas une grosse équipe en face, hein, quand même. Ouais. Ça m'apprendra à me taire. Sur penalty, hein. Clark qui met pas mal de buts sur penalty. Oh non, Calvert-Lewin. Allez, ok, c'est bon, j'ai compris. Et puis alors là, pour gagner le titre, on peut encore. Là, pour le titre, on peut s'asseoir dessus hein, si on continue. Je vais pas faire ça. Oui, très bien. Zen attitude. Manchester United a fait match nul.
Bon, c'est quasiment possible de gagner le titre là aussi, honnêtement, parce qu'après, il faudrait que United et Chelsea perdent leur match, ou fassent match nul. Bon, que nous, on gagne face à City, ça, c'est faisable. Mais alors après, que Chelsea et United perdent, ou fassent match nul, je sais pas contre qui ils jouent. Chelsea joue face à West Ham, et United joue face à Everton, ouais. Bon, ça reste très peu probable, hein. Un partout. Ah, Denis Sirkin a été suspendu. Ça, par contre, c'est pas cool. Non. Ou alors, si j'aurais dû avancer, est-ce qu'ils jouent leur match avant nous? Attends. Ah, oh, je suis bête, j'aurais dû regarder. Quand est-ce qu'ils jouent leur match? Man United joue son match après, enfin avant nous. Ah non, ils jouent le même jour. Ils jouent le même jour en fait. Oui, tout joue le même jour, donc en fait non, on peut pas. On va tenter, je pense, avec qu'un match nul. Hein. Je pense qu'on va pas avoir le choix. La victoire me paraît vraiment très très difficile. Mais je pense que... Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Sérieux, Everton, ils sont nuls. Jamais de la vie, on va prendre 5-1 face à eux un jour, frère. Et l'autre crétin qui se prend un rouge là. En vrai, même si on fait la victoire, tout va jouer, je pense, sur ce que fait, hein, sur ce que fait Chelsea. Ah bah oui, bien sûr. Parce que si Chelsea... Ouais, en fait, tout dépend des résultats de United et City, de United et de Chelsea, parce qu'après City, nous, on a... en quelque sorte le contrôle sur ce qui va se passer, donc ils sont limite plus en... Ah mais ils ont Alice Sims, plus le contrôle en fait sur... Enfin ils ont... En fait ils sont pratiquement hors course au niveau du championnat. Bon, rendez-moi mon match nul s'il vous plaît. Je vais pas y passer la semaine. Je maintiens, c'est Everton en face. Puis en plus, la Manchester United gagne alors qu'une fois, ils avaient fait match nul. J'aurais pas dû, je vais m'énerver. Je vais péter un câble. Oh purée, c'est pas vrai, non! On va pas quand même faire un dernier live pour deux matchs, sérieux! SVP les gars, SVP. Ou alors est-ce qu'on s'arrête là pour laisser vraiment beaucoup de suspense et je joue les deux derniers matchs de la saison? Et on se retrouve la semaine prochaine. En vrai j'ai pas envie de faire tenir ça jusqu'à la semaine prochaine honnêtement, mais là en fait il va falloir que je joue le match face à Everton et j'ai pas le temps de jouer le match face à Everton. Alors ça veut dire que la semaine prochaine on fait des matchs plus longs, on fait des matchs en 6 minutes. Oh purée.
Ouais, sérieux! Dites-moi s'il y a des gens sur le chat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prolonge le plaisir jusqu'à la semaine prochaine et je joue les deux derniers matchs de la saison? Ou est-ce que j'essaye désespérément de passer ce pauvre match d'Everton en simulation? Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vais être obligé d'y faire tenir jusqu'à la semaine prochaine. Sachant qu'après, je rappelle, il n'y a pas de troisième saison. Après, on fera d'autres choses le mercredi. Il va y avoir FM23 qui va sortir, donc je ferai le mode Breaking Point dès que ça sortira. Ce sera au mois de juin, donc d'ici un petit mois. Mais entre-temps, il y aura d'autres jeux. Eh bien, je pense que va faire tenir le plaisir jusqu'à la semaine prochaine. Je sais, c'est chiant. Mais en fait, là, c'est pas moi qui gère, c'est FIFA. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pas save avant? Pourquoi? Même si le titre aurait été quasiment impossible à ce moment-là aussi, Alors, tout dépend. Pas possible. Pas possible, pas possible. Bon, je fais tenir la plaisanterie jusqu'à 30. Et je pense qu'après, on arrêtera. Hein. Je pense qu'après, on se retrouvera la semaine prochaine pour ces deux derniers matchs. Où on jouera 6 minutes, du coup. Ouais, non, là, je vais pas y arriver. Je pense qu'on va faire comme ça. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ça vous fait plus de contenu, les gars. Vous allez pas. Plus de bonheur, ça. Vous allez pas. Vous allez pas m'enquiquiner, sérieux. Ouais, non, puis là, c'est trop tard. Maple Shade, bienvenue à toi. Ouais, mais de toute façon, ce sera pas possible de terminer aujourd'hui, je pense, là, vu comment FIFA a envie de me. Hein, voilà. Même si je passe là ce match, je pense que j'aurai pas le temps de faire le match face à City. Ouais, bon, on va s'arrêter là, les gars, ça suffit la plaisanterie. Dernière tentative, attendez, je tente la technique de la dernière tentative. Parce que en général, quand je dis dernière tentative, ça se passe bien. Donc. Puis là, j'avoue, c'est chiant pour vous en plus. Donc, bon, parce que là, 45 minutes de. Quitte relance. Allez. Ok, d'accord, très bien. J'ai compris. Voilà. Ok, bon, et bah écoutez, on va s'arrêter là du coup pour ce live. On se retrouvera la semaine prochaine pour finir cette carrière manager avec Sunderland. On jouera les deux derniers matchs. Alors, du coup, on fera des matchs un petit peu plus longs. On jouera donc les deux derniers matchs de Première Ligue pour essayer d'aller chercher ce titre. Avec donc ce match face à Everton et ce match face à City. Si on termine sur deux victoires, on l'a pratiquement le titre, hein, honnêtement. Puisque donc on est à 78, donc nous on peut marquer donc 3 points, donc ça nous ferait passer à donc on peut en marquer encore 6, donc ça nous ferait passer à 84, sachant que City peut en avoir 83 maximum, donc City gagnera pas. Si on fait full victoire, Chelsea peut arriver à 80 de max, c'est pareil. Il n'y a que Manchester United qui peut arriver au même point que nous. C'est-à-dire que si on fait deux victoires, ça va jouer contre Manchester United le titre. Maintenant, il va falloir faire les deux victoires.
Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. Désolé pour la déception de ne pas finir aujourd'hui. Enfin, déception ou pas, hein. Après tout, ça vous fait plus de contenu, ça vous fait étaler le plaisir plus longtemps, donc je vois pas pourquoi ça vous décevrait. Bon, même si je vous avais dit, on finit cette semaine, c'est vrai. Mais ça laisse un peu de suspense, ça laisse un peu de suspense. On fait une technique Netflix. La série s'appelle pas Sunderland Till I Die pour rien. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour du coup la fin de cette Saints Manager 23 avec Sunderland. Entre-temps, n'hésitez pas à vous follow à ma chaîne Twitch, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, mettre un pouce bleu à la rediffusion de ce live, à rejoindre mon serveur Discord, allez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, @FanBossette sur Twitter, Instagram et FanBossette la page Facebook de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!